Salut tout le monde! J'attends que tout le monde se connecte. On va faire une séance de cross-training ce soir. Venez nous rejoindre. Il vous faudra simplement une bouteille d'eau, une paire de baskets et de quoi vous allonger après sur la fin. Donc un tapis de sol ou une serviette, ça fera l'affaire. Voilà. Il y aura la petite partie relaxation comme d'habitude à la fin, mais ça dure juste 4 ou 5 minutes. C'est rapide. J'attends que vous arriviez, que tout le monde se connecte. Allez, rejoignez-moi. Je ne sais pas si vous entendez la musique, je l'ai mis doucement. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques connectés, mais je ne vois pas encore les noms apparaître, donc je vais attendre avant de vous saluer. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, que je vois qui est là. Allez, je partage. J'attends que les noms s'affichent. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je vois. Coucou Esmeralda. Alors, comment ça va aujourd'hui tout le monde? Je vois qu'il y a Vivi aussi qui est connectée. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Comme ça, je vais pouvoir vous reparler aussi de l'événement de dimanche. Je compte sur vous. On compte sur vous avec Anne qui sera là avec moi pour la Zumba Beach Party. J'attends qu'il y ait encore un peu plus de connectés pour vous raconter tout. J'espère que vous allez bien en tout cas. Racontez-moi un petit peu votre journée. Ça va tout le monde? Vous devez vous dire, mais pourquoi elle danse? Vous l'entendez pas beaucoup la musique, je pense. Ah, salut Sophie, ça faisait un moment que je te voyais pas sur les lives. J'espère que tu vas bien, comment tu vas toi à la maison? T'as repris le boulot j'imagine. Comment ça se passe? T'es pas trop fatiguée avec ce soleil? Allez, on va attendre un peu encore que tout le monde arrive. Il est 53, on est en avance. Bon, sachez que si ça coupe, en tout cas pour X ou Y raison, on se reconnecte juste en suivant. Hein. Vous n'oubliez pas de venir vite vous reconnecter si vous voyez que ça a coupé. D'accord? Je ne vous abandonne pas. En général, je relance un live juste après sur ma page Zumbamel Bordeaux. Ok? Parce que là, j'ai fait des partages sur les différents groupes, le bien-être sous toutes ses formes et sur Wanted Community Bordeaux avec lequel je suis en partenariat. Salut Nadège! Et donc, voilà, si ça coupe, en tout cas, je reviens sur la page Zumbamel Bordeaux. Hop! Alors, je vais attraper mon petit... Non, ça y est, maman, elle commence le live, mon cœur. Je veux plus de bruit. Alors, ce soir... D'accord. Alors, ce soir, donc, c'est cours de cross-training. On va faire, donc, différents Tabata, comme d'habitude, parce que j'aime bien, vous savez, j'aime bien les Tabata, parce que ça travaille un petit peu tout le corps. Là, on va faire un peu de tout. On va travailler avec des squats, on va faire des montées, descendre pour travailler les mollets. On va faire qu'est-ce qu'on va faire? Des jumping jacks pour travailler le cardio. Enfin, on va faire pas mal de choses et du gainage à la fin. Ça, j'aime bien aussi. Chaudement, mais ça va, repos aujourd'hui. Bon, bah c'est cool. J'ai vu que t'avais bien profité hier à la plage, en tout cas. Donc, c'est sûr que ça doit faire du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. On va attendre que tout le monde arrive. Je ne sais pas quelle heure il est là du coup. Et donc ça y est, vous êtes assez nombreux pour que je vous redise un petit peu pour dimanche. Donc dimanche avec Anne, qui est une prof du bassin, on voudrait vous faire une Zumba Beach Party. Donc le thème c'est Playa. Ça se passera sur l'application Zoom, qui est une application téléchargeable gratuite. Que vous téléchargez et qui nous permet en fait de vous voir, donc il y a plus d'interaction. Ça veut dire qu'on aura tous des petits écrans avec on se verra, ça sera plus interactif. Si vraiment vous voulez pas qu'on vous voit, bah, vous coupez les caméras, hein, c'est possible. Vous pouvez couper les micros, couper les caméras,
Mais en tout cas, c'est plus sympa si vous voulez jouer le jeu du thème playa et vous déguiser, vous mettre des colliers à fleurs ou je sais pas, être très coloré ou en pareo, en maillot de bain. Faites ce qui vous fait plaisir. En tout cas, ça va être sympa. Ça sera sur le thème donc plage. On sera là pour bien transpirer. Nous, on vous a préparé des nouvelles chorés, donc ça va être sympa. Et on compte sur vous. Ça se passera donc à 16h. Il suffit simplement d'aller sur ma page Zumba Mel Bordeaux. Vous allez avoir un peu plus bas dans les publications, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre temps. Vous allez voir mes cours. Mais à un moment donné, vous allez voir donc Zumba Beach Party avec une photo où il y a Anne et moi. Et donc là, ça vous inscrit comment faire pour s'inscrire. Il y a un lien via PayPal, c'est 5€. Et en plus, sur ces 5€, il faut savoir que ça sera sur une bonne action que vous ferez, puisque un cours de Zumba est égal à un repas pour les personnes les plus démunies et notamment les populations défavorisées. Donc ça reste pour la bonne cause, c'est sympa. Et au moins, vous participez en vous éclatant et en faisant un bon geste. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager l'événement au maximum, à inviter des gens à nous rejoindre. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr, hein. C'est 5€ donc l'entrée et on va bien transpirer, se défouler. Vous aurez de la nouveauté, des nouvelles chorés sympas. Voilà, ça va être ambiance festive, fun et on va bien s'éclater tous ensemble. Donc on compte sur vous. Voilà, j'ai eu déjà des inscriptions. Là, on a quelques inscriptions. Il y en a, je sais, qui ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. N'hésitez pas à venir me voir en privé hein, si vous avez besoin que je vous aide. Et voilà, ok. Si vous n'avez pas PayPal, on peut essayer de trouver une autre solution en passant par la cagnotte que j'avais mise en place aussi sur mon groupe. Voilà. Parce qu'il y en a une qui m'a dit qu'elle ne voulait pas passer par PayPal. Donc effectivement, vous pouvez avoir cet accès-là aussi par la cagnotte et ça marche aussi. Ok. Bon, vous êtes déjà une trentaine, donc on va pouvoir débuter le cours, je pense. Donc là, on va commencer d'abord avec un petit échauffement, version on danse, on s'éclate. On échauffe tout et puis ensuite on fera donc 4 tabata différents. Ensuite on fera l'échauffement et on terminera donc toujours avec calme et attentif comme une grenouille, la petite relaxation sympa que tout le monde aime bien. Est-ce que ça vous va pour le programme? Envoyez-moi des petits pouces. Je vois pas du tout ce soir s'il y a les petits pouces. Je sais pas si je me suis mis avec le bon truc. Je vois quand même vos commentaires donc c'est déjà bien. Bon ben je vous souhaite un bon cours et puis on va commencer. Hein. Allez, vous avez pris votre bouteille d'eau, votre tapis de sol, tout ce qu'il faut. On y va? Allez, c'est parti. Ready for your Fit 7-Eleven home workout, powered by Fit 7-Eleven. Let's get started in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Are you ready to work out? Are you ready to work out?
Caméra déjà. Ah, ça va tout le monde, vous avez chaud? Salut Florence. Allez, on va commencer. Non Kéo, tu laisses ça. Allez, va jouer avec Chloé s'il te plaît mon cœur. On y va. Chloé, tu peux jouer avec lui, s'il te plaît. Welcome to the bathroom. Five, four, three, two, one, go! Two.
Les cuisses, les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses, et on va travailler également les squats, ok? On va travailler les fessiers du coup, fessiers, cuisses, tout ce qu'il faut. Ça vous va? Il y en a qui nous ont abandonnés, j'ai l'impression. Allez, on y va. Vous allez récupérer un petit peu, buvez un coup rapidement, 2-3 gorgées. Welcome. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Travaillez l'intérieur des cuisses. 3, 2, 1.
je crois qu'on arrive pas jusqu'à la moitié. 3, 2, 1, go! Welcome to the battle. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ouh. On récupère rapidement. Cette fois-ci, on va faire des squats. On fera squat direct et squat en plusieurs temps où on descend doucement. Ok, ça fait encore plus cramer au niveau des cuisses. Ça vous va? 3, 2, 1, je vous laisse récupérer un petit peu. Prenez le temps de boire, marcher. Calmez-le là-dessus. 2, 1, go. Merci Théo. Ça va? Trop chaud? J'ai tes t-shirts aussi. Attends, enlevez le t-shirt. Ouais, c'est vrai que là, il fait trop chaud ce soir. Mais bon, ça fait du bien, on va pas se plaindre. Hein. C'est mieux que les semaines où on a eu de la pluie. On y va pour les squats? 3, 2, 1, allez, c'est parti. Welcome to the battle. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go!
2, 1, go! Three, two, one, go.
3, 2, 1, stop. Mais quand il fait chaud comme ça, ça sert à rien de se cramer pendant une heure. C'est bien de faire des séances courtes mais intenses, ok? Donc là, enfin moi pour ma part, j'ai bien transpiré, il fait très chaud dehors. Donc je sais pas ce que ça donne, dites-moi un petit peu votre ressenti à la maison. Marisa est repartie bosser apparemment. Salut. Allez, donc on va pouvoir s'étirer tranquillement et ensuite on fait la petite relaxation de calmer attentif comme une grenouille. Dites-moi si ça vous va ce type de séance ou si vous auriez voulu un peu plus. Peut-être que vous n'êtes pas assez essoufflé. Allez, on va s'étirer en tout cas pour le moment. Oh.
ma vie avec toi. Seulement toi, pas une autre. Pas une autre. Non, pas une autre. Seulement toi. Seulement toi. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables. Là maintenant, hein, vraiment, vous vous mettez dans un endroit agréable et vous allez pouvoir vous détendre avec calme et attentif comme une petite grenouille. Allez, je vous invite à fermer les yeux, relaxez-vous complètement. Dans cet exercice, je vais t'apprendre à rester aussi tranquille qu'une grenouille. Tu dois seulement t'asseoir quelque part, avec le dos droit, les jambes devant toi et toute ton attention auprès de toi. Les grenouilles peuvent sauter très loin. Elles peuvent coasser très fort. Mais elles peuvent aussi rester complètement immobiles et ne rien faire. Même les grenouilles trouvent que c'est difficile, au début, de rester tranquille comme ça. Les bras veulent bouger, les jambes aussi, tout le temps. Mais plus tu feras cet exercice, mieux ça marchera, et alors ? Alors cela devient agréable de ne rien avoir à faire. De ne rien faire d'autre que rester tranquille, aussi tranquille qu'une grenouille. Si c'est agréable, tu peux baisser les paupières ou bien fermer complètement les yeux. Fais seulement ce que toi tu trouves agréable et reste tranquille comme la grenouille, aussi tranquille que possible. Et pour pouvoir rester assis aussi tranquille, tu as besoin de faire attention. Faire attention et rester tranquille. Tes jambes sont tranquilles. Tes bras sont tranquilles, tes cuisses sont tranquilles et même ta tête se tient tranquille. Elle est en repos. Et quand tu es ainsi tranquille, tu remarques peut-être qu'il y a toujours quelque chose qui bouge en toi. Peut-être les yeux ou un doigt ou tes cuisses qui ne peuvent pas arrêter de remuer. Mais ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas d'être complètement immobile, mais de se rendre compte quand quelque chose bouge. Et sais-tu ce qui continue de bouger? Même quand tu es tout à fait calme, c'est la respiration. La respiration dans ton ventre. Pose maintenant les mains sur ton ventre. Sens comme il monte et comme il descend avec la respiration. Un peu en haut, un peu en bas, ainsi va ton ventre. Un peu en haut, un peu en bas, sens bien cette respiration calme. Et tout comme la grenouille, tu es encore tranquille. Aussi tranquille que tu peux l'être en ce moment. Et tu continues à faire attention à ta respiration dans ton ventre. C'est bien. Faire attention à sa respiration, c'est très utile lorsqu'on s'est fait mal, lorsqu'on est fâché, fatigué,
ou qu'on veut tout simplement se reposer et qu'on n'y arrive pas. Demain, peut-être auras-tu encore envie de t'exercer à être tranquille, comme une grenouille, qui sait. Quand tu entendras la clochette, tu te lèveras lentement et tu continueras ta journée. Je te souhaite beaucoup de plaisir aujourd'hui. La séance est donc terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez des séances plus longues les prochaines fois. Ou si ce type de séance, quand il fait bien chaud, ça suffit. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, comment vous sentez. Je vous laisse. Attends, je vais baisser. Oui, ça y est, c'est fini, mon cœur. Je vais pouvoir venir avec toi. Oui, parce que Kéo, il a faim. Alors, il attend que ça, la fin du cours, pour que je lui donne à manger. Oui. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir été là durant cette séance. N'oubliez pas qu'il y a donc la Zumba Beach Party qui aura lieu dimanche. Oui, attends. Au revoir. Oui, attends 2 secondes. Je parle un peu avec eux et après j'arrive, d'accord? Va voir papa. Oui, donc je disais, on a la séance de Zumba Beach Party qui vous attend donc ce dimanche. Ça se passe à 16h. Ça sera sur l'application Zoom. Donc il vous suffit tout simplement d'aller sur les posts que j'ai fait dernièrement sur ma page Zumba Mel Bordeaux. Vous allez tomber dessus. C'est une affiche avec écrit Zumba Beach Party. Il y a la photo de Anne et moi. Et donc il y a toutes les infos dessus. Vous avez un grand paragraphe qui vous explique tout pour vous inscrire. Vous avez juste à cliquer sur le lien via PayPal. Payez donc votre séance qui coûte 5€ et en même temps vous faites une belle action puisque le cours de Zumba égale un repas offert aux plus démunis. Donc c'est des associations qui viennent en aide aux populations défavorisées. Donc voilà, ça reste un beau geste. Donc on compte sur vous. Si vous pouvez pas venir ce dimanche à 16h, essayez au moins de partager pour faire tourner l'info au maximum et peut-être que ça peut intéresser des gens aussi dans vos contacts. Donc on compte sur vous, on vous fait des gros bisous. Ceci dit, les cours en live continuent, donc on se retrouve demain pour une petite session donc Dance Fit où ça va bouger. Voilà, dimanche donc Zumba Beach Party et il y aura plein de sons ensoleillés avec des nouveautés bien sûr. Moi j'ai préparé déjà pas mal de chorés nouvelles. Donc voilà, ça va être sympa, c'est sur le thème Playa, donc on compte sur vous aussi pour jouer le jeu derrière vos écrans en étant colorés, sortez vos pareos, vos maillots de bain, vos colliers à fleurs, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Oui, j'arrive. Donc voilà, bon, je vais pas tarder parce que Kéo, il est impatient. Oui, au revoir. Donc je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, voilà, profitez un peu parce que c'est vrai que maintenant on a envie un peu de partir à la playa et tout, mais protégez-vous, faites attention quand même. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve donc demain à 18h. Bisous tout le monde, ciao.